On se reconnecte à l'info, l'heure de retrouver Linda Hamed pour le journal de 19h. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Adjol, bonsoir à tous. Et on commence par les titres au sommaire de cette première édition de la semaine. Raza restera à la une. Raza sous les bombes, Raza où l'essentiel de base et de vie manque. Le programme alimentaire mondial alerte. La famine prend des proportions inquiétantes à Raza. Son porte-parole s'exprime dans le journal depuis Genève. De Raza, nous aurons des témoignages d'un quotidien de plus en plus difficile, vécu toutefois avec beaucoup de philosophie. Les Palestiniens résistent par tous les moyens, ils savent que le prix de la liberté est chèrement payé. Nous avons voulu savoir ce soir à quelle étape a abouti la plainte déposée auprès de la CPI il y a plusieurs jours. Selon Maître Gilles Devers, la procédure avance et la démarche connaît une forte adhésion. Le marché du gaz et du pétrole impacte certains de la guerre. Une nouvelle donne à quelques mois du sommet mondial du gaz prévu à Alger. Décryptage d'experts à suivre dans cette édition. Le secteur du textile, les avancées en la matière présentées par les exposants nationaux et étrangers au 6e salon international. Un tour des stands à découvrir au premier jour depuis le palais des expositions. Sport football, victoire de l'Algérie face au Mozambique, score 2-0. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe G pour les qualifications du Mondial 2026. Et en Ligue 1 à suivre ce soir, CRB-JSK. Le match c'est à 19h au stade du 5 juillet, 6e journée du championnat. Bienvenue à tous. Il pleuvra dès demain sur la partie nord du pays. Des précipitations très attendues pour arroser des terres à sec depuis plusieurs semaines maintenant. Un automne plutôt aride qui connaîtra des changements positifs. Donc, dans 24 heures, nous le verrons à la fin du journal. À Raza, il pleut déjà. Une situation météorologique qui complique les conditions de vie de milliers de Palestiniens entassés sous des tentes, des habitations de fortune, dans des écoles ou hôpitaux devenus des cibles privilégiées. Mais les Palestiniens résistent par tous les moyens. Ils savent que le prix de la liberté est chèrement payé. Le ministère de la Santé a donné ce soir le nouveau bilan officiel. 13 000 martyrs, dont 41 d'une même famille, tués ce soir par une frappe de l'armée sioniste. Le nombre de blessés tout aussi élevé, 32 500, dont certains sont à l'hôpital Shifa, qui reste menacé plus que jamais. Et l'ONU, au lieu de forcer l'entité sioniste à renoncer à lancer des raids sur cette structure de santé, propose son aide à transporter des malades pourtant très vulnérables. Une situation qui attire la colère des Razaouis, dont Abou Ammar, on l'écoute. L'occupant a forcé l'équipe soignante à Shifa de le quitter et contraint tous les patients et ceux qui sont donc en soins intensifs. Il les a forcés donc à quitter l'hôpital parce qu'ils comptent bien l'évacuer, ce qui a été fait. D'ailleurs, dans l'Iranie, c'est les Nations Unies qui ont dit qu'ils vont aider donc à sortir ces patients. Néanmoins, il reste quand même une centaine de patients qui ne pouvaient pas être donc transportés ni évacués. On attend toujours cette logistique qui doit arrivé par les Nations Unies. Mais comme je disais, que l'ironie, c'est que les Nations Unies, au lieu d'imposer un cessez-le-feu et d'imposer à l'occupant d'épargner les civils et surtout les hôpitaux, donc est incapable de jouer son rôle correctement. Et depuis maintenant un mois et demi, les massacres se comptent par milliers, le nombre de martyrs tout aussi croissant. Abou Ammar, palestinien, joint depuis Raza. Nous avons aujourd'hui 1270 massacres. Nous avons dénombré depuis le 7 octobre 1270 massacres. Hier, il y a eu 200 morts dans une école qui s'appelle l'école Al-Farhoura, c'est dans le nord, donc dans la ville de Jabalia. C'est une école où il y avait des réfugiés. Donc on a dénombré 200 victimes en un seul raid. La hantise des bombardements, le manque d'eau, d'électricité, de carburant et de denrées alimentaires font qu'aujourd'hui les Palestiniens vivent une tragédie sans précédent. Le porte-parole du programme alimentaire mondial, Marie Da Silva, dans l'alerte. La faim se propage et alors que la faim se propage, les systèmes alimentaires existants s'effondrent. Nous travaillons depuis le 7 octobre avec 23 boulangeries et qui permettaient de fournir du pain à 200 000 personnes dans les abris de l'ONU. Et malheureusement, depuis le vendredi 10 novembre, la dernière boulangerie a fermé ses portes en raison du manque de carburant que nous constatons donc à l'intérieur de Gaza.
Nous constatons aussi que les stocks alimentaires des magasins s'épuisent à grande vitesse. Et pour être tout à fait concret, aujourd'hui, la nourriture auxquelles ont accès les 2,2 millions de personnes, c'est quasiment la totalité de la population de Gaza, qui ont désormais besoin d'une aide alimentaire, doivent se contenter d'aliments en conserve. Car sans eau potable ni gaz pour cuisiner, ils n'ont pas d'autre option. L'occupant sioniste qui défie tous les droits, aucune ligne rouge ou code ne sont respectés. Les travailleurs des organisations humanitaires ne peuvent plus accomplir leur mission. Les opérateurs humanitaires dans le pays ont des difficultés à accéder aux personnes dans le besoin par manque de carburant et aussi en raison de l'insécurité. Et donc, même si des vivres rentrent à l'intérieur de Gaza, il est difficile pour nous d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin, que ce soit au sein des communautés. Nous espérons pouvoir atteindre 1,1 million de personnes dans les 60 prochains jours à Gaza et en Cisjordanie. Le PAM qui a besoin aujourd'hui de 112 millions de dollars pour 1 100 000 personnes à Gaza d'ici la fin de ce mois de décembre, a également déclaré Marie Da Silva, porte-parole du programme alimentaire mondial, jointe par notre ancien collègue basé à Genève, Amy Chérifi. L'armée sioniste est appuyée par l'armée américaine contre une résistance beaucoup moins lotie, une guerre disproportionnée, dénoncée notamment par des voix dissidentes dont celle de George Paul. Il est responsable américain des transferts d'armes au département d'État. Il l'a dénoncé dans une lettre et a annoncé son départ. The US arms will be used to conduct human rights violations. The transfer of those arms will not be authorized. S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines va conduire à la violation des droits humains, alors le transfert ne sera pas autorisé. Dans ce cas-ci, alors que les droits humains ne sont pas respectés, cette politique a été mise de côté. J'ai soulevé mes inquiétudes. Il n'y a pas eu de volonté de m'écouter, pas d'intérêt. On s'est empressé de fournir des armes. Voilà, c'était George Paul, responsable américain des transferts d'armes au département d'État, contacté par Maryam Abdou. Les événements horribles survenus ces dernières 48 heures à Gaza dépassent tout entendement, a déclaré aujourd'hui le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk. Il estime que certaines actions de l'armée sioniste pourraient constituer des crimes de guerre. Voilà, et ça reste dans le conditionnel. Les instances internationales tergiversent alors qu'une épuration ethnique est en cours. Maître Gilles Devers, vous et un panel de barreaux ONG et société civile dans l'Algérie avaient déposé une plainte auprès de la CPI il y a maintenant plusieurs jours. Où est-ce que ça en est? À ce jour, qu'est-ce que l'on peut dire? Du point de vue de notre plainte, on cherche à faire un grand panel d'avocats. On s'est ouvert à la profession, mais c'est allé bien au-delà de ce qu'on espérait. Vu que nous étions 300 la semaine dernière, nous sommes maintenant 600 signataires de cette plainte, avec de nombreux professeurs de droit qui apportent également leur appui. Au bout d'un moment, ça devient une question de connaissance juridique en disant, mais oui, c'est un génocide. Deux, c'est impossible que la Cour ne fasse rien. Donc cette action a eu beaucoup d'écho, parce qu'elle donnait enfin une réponse. Cette démarche connaît une forte adhésion, c'était inattendu. Et ce mercredi, maître Gilles Devers, vous avez rendez-vous avec le bureau du procureur de la CPI. Les États ont suivi le mouvement. La Belgique a dit qu'elle finançait l'enquête parce que le procureur disait qu'il n'avait pas de fonds pour cela. Donc il y a eu une bonne décision de la Belgique. Ensuite, il y a deux pays extérieurs à la Cour, à savoir l'Algérie et la Turquie, qui ont fait des plaintes adressées au procureur en disant que le fait justifiait une réponse juridique et qu'on ne pouvait pas laisser l'impunité de cette manière. Et puis, en fin de semaine, cinq États qui, eux, sont membres de la Cour, ont déposé plainte en tant qu'État membre et cela change la donnée parce que le procureur disait « je dois décider, c'est à moi de prendre la décision ». Maintenant, non, il a des plaintes, donc il doit répondre à ces plaintes. Alors, nous poursuivons notre effort, nous avons une réunion avec son bureau et nous ferons le point sur le développement du dossier ce mercredi. Et on a appris ce soir qu'une frappe sioniste a partiellement détruit une antenne relais de l'un des deux opérateurs de téléphonie mobile au Liban, Alpha. La centrale principale de Mahabib a été partiellement détruite par un bombardement sioniste qui a entraîné l'arrêt de ses services dans plusieurs localités du sud du pays. Les médias à la solde de Netanyahou cachent des vérités avérées, d'autres beaucoup plus professionnelles et neutres démontrent les scénarios fabriqués de toutes pièces. Michel Collomb, il est journaliste, écrivain et fondateur du collectif Investigation, contacté par Samia Alloun.
C'est quand même épouvantable, je le dis en tant qu'Européen. J'ai honte de mon gouvernement, honte de Macron et de tous les gouvernements européens qui sont en train d'armer, de soutenir, de fermer les yeux, de donner des excuses au régime criminel de Netanyahou. Et ça, je crois que ça doit ouvrir les yeux aussi des peuples dans le monde. Parce que les États-Unis, la France, l'Europe se prétendent les champions de la démocratie et des droits de l'homme. C'est hallucinant. On soutient les pires dictateurs, on soutient des nazis antisémites en Ukraine. On soutient le régime raciste et sanglant de Netanyahou. Un mois et demi de guerre, forcément des conséquences sur les marchés internationaux, notamment pétroliers et gaziers. Les ressources énergétiques restent un enjeu géopolitique de taille et pas des moindres. Et dans ce contexte qui pourrait d'ailleurs évoluer, l'Algérie se prépare à abriter dans quelques mois le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, Zedem Mouradou. Les pays membres du GECF devraient se réunir en Algérie en 2024 pour discuter de l'avenir du marché gazier, élaborer une vision commune pour assurer un approvisionnement stable et régulier. Pour Ziyad Rawas, ingénieur irakien, cette rencontre est très importante pour ces pays. La guerre russo-ukrainienne et le génocide contre les Palestiniens ont impacté les prix du gaz. Le sommet international du gaz qui va se dérouler en Algérie est très important pour les pays gaziers. La Russie, l'Iran, le Qatar, le Venezuela et l'Algérie, ces cinq pays membres de cette organisation internationale, contrôlent 73% des réserves mondiales en gaz naturel et 42% de la production. La part de l'Algérie représente 5% du marché mondial. Et le gaz a un grand avenir selon les experts. Sans cette ressource, pas de transition énergétique, donc pas d'investissement selon Khaled Bourkhlifa, membre du bureau de l'association de l'industrie du gaz, contacté par l'Imbouradoum. L'Union européenne et les pays de l'OCDE donnent des instructions à leurs banques pour ne plus investir dans le domaine des énergies fossiles et également dans le gaz naturel. Les pays gaziers sont en train de leur dire attention, le gaz a un grand avenir et sans le gaz, il n'y aura pas de transition énergétique et qu'il faut des investissements. Et si vous continuez à vous amuser à ce jeu, il n'y aura pas d'investissement et le marché manquera d'énergie dans le futur. Les chefs d'État vont se réunir parce qu'il est important que les investissement continu dans le gaz et qu'il y ait une coordination entre les pays. Et l'investissement dans les énergies propres signifie la protection de l'environnement, mais aussi sortir de la rente pétrolière. Plusieurs secteurs s'y mettent pour relever ce défi. Exemple du textile, un salon international lui est dédié. Il a ouvert ses portes ce matin au Palais des Expositions. C'est la 6e édition au Mayalkens. Ce salon regroupe toutes les filiales et les métiers du secteur du textile et du cuir dans le but de favoriser les échanges, les investissements et partenariats. Une démarche à même de consolider la filière et conquérir le marché à l'international. L'exemple avec le groupe Getex, Othman Ouhib, président général de l'entreprise textile d'hiver Algérie. Nous faisons tout type de cuir, bovin, ovin. Ce cuir devient matière première pour une autre entreprise qui est spécialisé dans la chaussure, dans la maroquinerie, les sacs, le vêtement en cuir, les vestes aussi. Nous travaillons pour un peu plus de 60% des besoins des corps militaires et paramilitaires. Nous travaillons pour le marché local. Nous pénétrons au fur et à mesure le marché international, notamment les pays arabes et africains. La relance du secteur va permettre de booster la production locale et diversifier l'économie nationale. Les opérateurs économiques affichent leur satisfaction. Saf Bouderba, opérateur économique. Nous nous félicitons de ces nouvelles activités créatrices d'emplois et de richesses pour l'Algérie, ce transfert de technologies. Nos partenaires chinois, turcs, des Tunisiens sont en train d'exprimer un certain intérêt palpable pour le retour de l'Algérie sur le plan du textile. Et ça va permettre à l'Algérie de revenir dans cette industrie pour pouvoir se positionner à l'export. L'exportation est l'un des objectifs recherchés par les opérateurs. Ils espèrent nouer des partenariats à l'occasion de ce salon qui se poursuivra jusqu'au 21 novembre de ce mois. Et en bref, ce soir, justice, la Cour d'Alger a condamné aujourd'hui l'ancien Premier ministre Nordine Medoui et l'ancien ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf à 4 ans de prison ferme dans une affaire de corruption. Nordine Medoui et Abdelmalek Boudiaf étaient poursuivis pour conclusion d'un marché douteux portant sur la réalisation de l'aérogare de Constantine lorsqu'ils étaient walis de cette wilaya, ainsi que pour d'autres accusations relatives à l'abus de fonction et octroi d'indus avantages. En bref également, cette collision entre un bus et un véhicule touristique
touristiques ce soir du côté de la localité de Oued El Maa Batna. Bilan 16 blessés à différents degrés selon la protection civile. Et puis l'Assemblée nationale qui a décidé aujourd'hui de reporter jusqu'à demain sa séance plénière consacrée au vote de 3 textes de loi, presse écrite, électronique et audiovisuelle. On arrive au sport, football, avec la victoire de l'équipe nationale face à son homologue du Mozambique. Le score 2-0, un match comptant pour la deuxième journée du groupe G des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Un début encourageant pour les Verts. Felshaibi, attaquant, et le buteur du premier but ce soir. On écoute. Ouais, alhamdoulilah, c'était un match dur, terrain pas très facile. Mais on savait que c'était important de venir prendre les 3 points ici. Le capitaine nous l'a dit hier, Riyad nous a parlé, il nous a dit que surtout pour le nouveau, fallait faire un match solide parce que c'est ça le vrai Afrique. On l'a pas connu encore. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est content, alhamdoulilah. Et à suivre maintenant, juste après la météo de Karima Bennour, le sport sur la 3 avec le match CRB-JSK en direct du stade du 5 juillet. Il sera commenté par Mahamal Djabour, ici au studio Fethi Bendali avec Chaban Mersken. Bonne écoute à tous et bonne soirée. Cette édition se termine à 19h19 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, réalisée par Aïcha Hammer et Sidali Toubal.